C'est vrai qu'ici, l'odeur du chocolat est parfois perceptible. Dans l'une des rares communes francophones du canton de Berne, l'adresse est connue de tous. Mais rares sont ceux qui peuvent voir fonctionner ce pipeline chocolaté qui, depuis des décennies, régale des générations de Suisses. Camille Bloch est un nom peu connu chez nous, mais incontournable en Helvétie. Une PME de 200 salariés qui vend ses chocolats dans plusieurs pays et qui joue même du coude avec les géants du secteur comme Lindt ou Nestlé. On a perdu l'habitude de sentir le chocolat, mais ça nous fait toujours plaisir quand les gens nous disent, une fois qu'on est sorti de l'entreprise, et puis qu'on nous dit « Ah, tu travailles sûrement chez Camille Bloch parce que tu sens le chocolat ». Monique Cobel est l'une des responsables de la production. Et comme beaucoup ici, elle ne se lasse jamais de raconter l'histoire de ces petits chocolats. À l'intérieur, il y a non seulement de la pâte de cacao, mais il y a également de la pâte de noisette. C'est d'ailleurs ce qui fait sa différence. Camille Bloch a inventé ce chocolat en 1942, durant la Deuxième Guerre mondiale, du fait qu'on manquait d'autres produits de matières premières. Il a eu l'idée de génie de travailler la noisette comme le cacao. Avec ses deux produits phares, Ragusa et Torino, la petite chocolaterie est devenue célèbre. Une société qui est restée familiale, contrairement aux autres. Fondée en 1929 par Camille Bloch, elle est aujourd'hui dirigée par le petit-fils Daniel. Si les Suisses sont de gros mangeurs de chocolat, l'idée est bien de grignoter un peu les marchés français ou allemands. Les Français, ils veulent du chocolat plus intense. Je ne crois pas plus foncé forcément, mais plus intense. Et ça nous a amené l'idée de faire du ragusa noir. Le ragusa était toujours, pendant 66 ans, la même recette. Puis du coup, on est venu avec une innovation, ragusa noir, qui a d'ailleurs été extrêmement bien accueilli aussi en Suisse. Et donc, le fait d'observer ces marchés, les goûts, nous aide à faire évoluer aussi le marché suisse. Mais le plus étonnant, c'est qu'à l'image des autres marques suisses de chocolat, Camille Bloch est devenue une destination touristique. Les conséquences de la crise économique. Ici, on organise des visites guidées qui racontent la saga familiale. Et il y avait beaucoup de chômeurs dans les villages. On organise même des cours de chocolat. So here we have Ragusa praliné with entire hazelnuts. L'année dernière, l'entreprise a ouvert un immense espace visiteur, un musée du 21e siècle interactif qui connaît déjà un grand succès. Le fait qu'on soit encore une petite entreprise, donc une PME familiale, une des dernières chocolateries suisses en main familiale, attire aussi le visiteur et les curieux de voir quelle a été notre évolution. On a ouvert en octobre 2017 et on a eu la chance d'accueillir déjà plus de 100 000 visiteurs. Donc on doit être aujourd'hui aux alentours de 115 000 visiteurs. À 700 mètres d'altitude et à l'écart des grands axes, la chocolaterie Bloch incarne la Suisse des alpages et des traditions. La recette idéale, diront certains, pour vendre du chocolat sur un marché dominé par les multinationales.